Aujourd'hui, on vous emmène dans cette toute première journée de visite dans les temples d'Angkor. On a décidé de faire le petit tour, c'est-à-dire les temples les plus connus d'Angkor. Et on a décidé de partir avec un guide francophone afin d'avoir le plus d'informations possible sur ces temples-là. Ce qui est intéressant avec le guide, c'est qu'il va pouvoir nous raconter l'histoire entière du Cambodge, du début à aujourd'hui, et puis également l'histoire et la culture des temples, pourquoi ils ont été construits, et puis également les guerres de religion entre l'hindouisme et le bouddhisme. Comme vous pouvez le voir sur les images que le guide nous montre ici, les tours des temples étaient à la base recouverts d'or. Angkor Wat, comme vous le voyez ici, est le temple principal. On retrouve dans la région environ 200 temples assez similaires qui ont été construits sur plusieurs centaines d'années. Angkor était autrefois la capitale du Cambodge. C'est pour ça que les rois se sont succédés et ont construit chacun différents temples autour de cette capitale. Autour des années 1500, la capitale a été délaissée et tous ces temples se sont retrouvés recouverts de jungle et abandonnés. Ils ont seulement été redécouverts il y a une centaine d'années par certains colons européens. L'architecture de ces différents temples sont vraiment inspirées de l'hindouisme, du bouddhisme et de l'animisme. C'est vraiment ces cultures-là qui vont venir inspirer toutes ces décorations et toutes ces sculptures. Vous avez plusieurs façons de venir visiter les temples d'Angkor. Pour cette première journée, on a donc choisi de le faire en tuk-tuk avec un guide. Généralement, tous les prix des tuk-tuk sont à peu près similaires, c'est à peu près 15 dollars. Et au niveau du guide, on a réussi à trouver un guide francophone pas très cher. Il prenait 40 dollars la journée et plus 15 dollars pour l'option du lever de soleil. Au niveau des billets d'entrée, vous avez plusieurs options. Ça peut être la journée, 3 jours ou une semaine. Vous avez plusieurs options. Nous, personnellement, on a pris une journée qui coûtait du coup 35 euros. Et sur la période à laquelle on était, la journée en valait 2. Donc on a pu revenir le lendemain. On se retrouve ici dans le temple de Taprom, qui est connu dans le monde du cinéma, car c'est ici qu'a été tourné Lara Croft, Tomb Raider. Comme vous pouvez le voir à travers les images, ce temple-ci a été laissé un peu entre guillemets à l'abandon avec ses racines qui viennent recouvrir les murs. Ça a été laissé volontairement afin de montrer aux visiteurs à quoi ressemblaient les temples à leur découverte. Pour cette deuxième journée, on décide de faire la grande boucle. On a décidé de prendre un scooter, c'était 12 dollars à notre hostel. C'est plus ou moins à peu près les tarifs qu'on a vus sur Siem Reap. Et nous voilà partis pour découvrir les différents temples de cette boucle. Un des petits conseils qu'on vous donnerait, c'est d'essayer de visiter les temples assez tôt le matin. C'est vrai que l'après-midi, il fait très très chaud et les couleurs et les lumières sont vraiment vraiment plus jolies en matinée. Après avoir vadrouillé toute la matinée, on a décidé de rentrer pour manger le midi dans le centre-ville et de revenir en fin de journée vers 16h30 pour aller voir Angkor Wat pour le coucher du soleil.
Hello YouTube. Salut. Dernier jour encore et comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment personne. On a attendu le petit sunset. Voilà, on a quasiment encore pour nous. C'est souvent tous les tours qui sont organisés. En règle générale, partent le matin ou pour le sunrise. Donc il y a énormément de personnes le soir. Dernier petit tuk-tuk, je pense. Du Cambodge. Du Cambodge. Aujourd'hui, on part voir des rats. La ratonnerie. Non, c'est des rats qui sont dressés pour détecter les mines et donc éviter plein d'accidents au Cambodge. Voilà. Il y a encore beaucoup de mines sur le Cambodge. Donc voilà, on y va. On vous montrera des petites images, mais c'est nos derniers jours ici. On est déjà au 21e jour ici et on part au 24e. Ouais, dans quelques jours. Allez! Nous sommes donc partis visiter cette association APOPO, qui est un organisme belge. Ces rats des mineurs sont donc dressés et élevés en Tanzanie. À l'heure d'aujourd'hui, on en retrouve dans 8 pays autour du monde où on retrouve des mines. Pourquoi des rats? Parce qu'en fait, ces rats-là ont un odorat très développé et sont dressés à reconnaître seulement la TNT et non plein type de métaux comme de l'or, de l'aluminium, etc. Que détecterait une machine classique. En plus de ça, le faible poids des rats, ils font généralement moins d'un kilo 5, permettent aux rats de marcher sur les mines et de ne pas exploser. Ils sont utilisés au Cambodge du coup pour déminer le pays après les différentes guerres qu'il y a eu, parce qu'aujourd'hui il y a encore énormément de blessés et de morts au quotidien. À peu près 80% des accidents ce sont des enfants, parce qu'ils découvrent les mines, pensent que c'est des jouets, et malheureusement leur explose le visage. Il est donc pas rare de croiser au Cambodge des personnes mutilées où il leur manque des bras, des mains, etc. Ces rats-là sont considérés comme des héros ici, ils sont même décorés de médailles d'honneur à leur départ en retraite.